Let's go baby, on se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième vidéo de la journée. J'ai changé de t-shirt, alors autant vous dire que j'ai aussi remis du déo parce que le premier là... Ouh, j'ai encaissé un hit marker, ça c'est un signe ça. Ça c'est un signe, faut faire attention, faut arrêter les conneries. Ok, hit marker. Ok, pas de hit marker pour lui, c'est ok, on a enfin validé un kill. Je vous jure, j'ai essayé de tourner une première vidéo avec ce nouveau sniper. Ok, j'ai fait beaucoup de hitmarkers, autant vous dire. Hop là! Autant vous dire que j'étais pas déçu. Si, j'étais très déçu. C'est ce qu'on appelle de l'humour. Peut-être à chier, mais de l'humour. Il est là. Oh là là, dégage monsieur, dégage, dégage. Il m'a fait peur, il m'a fait peur. Hop, hop, on recharge. C'est bon, on a rechargé, c'est good. On est dans les plans, dans les temps, on est bien. Il y a quelqu'un sans doute en bas à gauche là, je pense. J'ai l'impression, j'ai le sentiment. Donc on est avec du coup ce nouveau sniper, le K31 Suisse. Nos amis suisses mis à l'honneur pour cette saison 3 de Black Ops Cold War. Aïe, aïe. Il a pu retirer très vite, ah il a le M90. Donc nos amis suisses mis à l'honneur, je le joue nature. Alors certains vont dire c'est normal du coup que tu mettes des hitmarkers. Oui, c'est certes, d'accord, mais bon après je m'attends quand même à ce qu'un sniper one shot un minimum. Donc on espère pas enchaîner ce train de hitmarkers. Et on a envie d'essayer ce nouveau sniper à verrou hein. J'ai envie de te dire que historiquement les snipers à verrou sur Call of Duty ça a toujours été une institution. M40A3 intervention, donc à chaque fois qu'il y en a un qui sort, ça fait plaisir à beaucoup de monde. Donc on espère nécessairement qu'il soit au niveau. À la hauteur des espérances. C'est quoi encore? Il n'y a que le haut de sa tête qui dépasse. Mais il n'y a que le haut de son corps qui dépasse. Je mets hit marker mais ça me dépasse. Parce qu'en plus le sniper en termes de feeling il est cool. Je l'aime bien. Je pense qu'avec un peu plus d'accessoires. Notamment le dernier canon qui augmente les dégâts. Ça devrait résoudre le souci. Mais après le problème c'est que j'ai pas envie d'avoir à attendre le dernier canon pour pas mettre un hit marker une fois sur deux. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors même voire pire, deux fois sur trois. Donc vas-y, on va tester ce petit K31 Suisse. Je vais pas trop jouer à la PPSH dans cette... Pas trop jouer à la PPSH dans cette vidéo. Pour la simple et bonne raison. Que sur ma vidéo nouvelle map, qui est sortie tout à l'heure, si vous l'avez pas déjà vue. Je fais du sale avec, je joue déjà avec et en plus... Attends. Mais c'est une putain de blague! C'est une putain de blague! Mais hitmarker à tout va! Deux d'affilée! J'ai dit 2 sur 3, mais je pensais rigoler, mais. Le jeu il m'a dit attends! Ah, par contre là, vous avez vu? Ça j'avais pas remarqué. Le chargeur se recharge en un coup. Quand tu recharges 6 balles. Donc je sais pas si tu perds celle restante, tu vois ce que je veux dire? Genre en mode si tu recharges alors qu'il t'en reste qu'une. Mais je ne sais pas, mais en tout cas ça fait plaisir. Alors je vais jouer de cette manière, voilà. Mais c'est trop frère. C'est trop frère, c'est trop. Mais regardez le nombre de hitmarkers, c'est hallucinant. Parce qu'en plus en termes de feeling. Mais il est trop cool, mais gros j'en ai marre d'hitmarker, c'est quoi ça? Alors s'il faut vraiment le dernier canon, celui qui rajoute des dégâts pour pouvoir le jouer à peu près correctement, je vous le dis, vous avez passé un long moment à pas avoir de plaisir avec parce qu'il met trop de hitmarkers. Alors certains me diront va en hardcore, sauf que... Je leur répondrai que je n'ai encore que 26 ans, donc le hardcore... pas encore ma cam, mon gars. J'y songerai quand j'en aurai 35. Voilà, voilà, c'est bon. J'ai donné ma petite vanne sur les vieux beaufs qui jouent à hardcore, tatata. Zach est content, toujours les mêmes vannes chaque année. Je dois vous dire que je suis content d'un truc. C'est vos retours sur ma vidéo, les meilleurs clips de l'histoire compétitive de Call of Duty. Donc j'ai essayé de vous faire une vidéo où je vous explique des contextes, où je vous mets un petit peu de délire, tout ça, machin. Une vidéo qui est en soi déjà assez longue, 35 minutes. Donc j'en étais vraiment très satisfait. Du rendu et de vos retours. Voilà, let's go. Du rendu... Et de vos retours, hitmarker encore, c'est bon, on va rien dire. Je vais pas dire hitmarker encore à chaque fois parce que sinon, la vidéo sera à base de hitmarker encore et c'est pas super intéressant. Hitmarker encore! Mais c'est gravissime, je suis en 11-5, je mérite au moins 6 ou 7 kills de plus. Si le monde tournait rond, j'aurais 6 ou 7 kills en plus. Hitmarker, mais vu que la vie est une chienne... Je hitmarker à foison, mais c'est grave. Vraiment, je vais offrir un sub Twitch à celui qui les aura tous comptés, qui me les dit en top commentaire. Encore! Mais frère, c'est... Oh, dans mon dos. Viens petit, viens. Je t'ai entendu. Hein, gna 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 gna. Tu crois que j'ai un...
3 GZ à 1200 balles pour 20 ans que là tu me fais le bac comme ça. Donc merci pour vos retours sur ma vidéo clip, même si je dois avouer que je suis un peu abattu. Je suis abattu. Voilà. Bon, ça c'était stylé, ça. Ça c'était stylé. Voilà, le double. Le double, let's go. C'est vraiment... Mais ce sniper, mais en schizophrène, parce qu'il est lourd à jouer. En termes de feeling et tout, j'adhère. Mais en termes de puissance, c'est calamiteux, t'es mort. Mais j'avoue que quand je... Tu sais, je me casse le cul un petit peu à travailler une map, 35 minutes, tout ça, machin, etc. Quand la moitié des commentaires, c'est... Pourquoi t'as pas mis ce clip? Pourquoi t'as pas mis ça? Pourquoi t'as pas mis ça? Ou alors... Et ça c'est classique, le premier top commentaire de la vidéo, vraiment, j'étais abattu. Mais quand je vous dis abattu, le mot est pas, t'sais, pas trop long, pas trop lourd pour ce que j'étais. C'est... ouais, ton t-shirt, il est froissé. J'étais là, mais vraiment, la fille de ma mère, vous respectez rien, ton t-shirt est froissé. J'étais là, bah ouais, cousin, le t-shirt est froissé, bah écoute. Ok. On a un harp. Ça m'est bien. Non, j'ai raté. Une grosse balle là, c'est dommage. Attends, on se met ça. Oh, j'ai eu peur, sa mère. On a le harp, il faut en profiter. Oui, mon t-shirt est froissé, monsieur. Mais saluez le travail, respectez. Et ne vous focalisez pas sur des détails, voilà, quoi, qui sont pas non plus énormes, quoi. Le t-shirt froissé, en vrai, on s'en bat les couilles. Merde, j'ai raté une balle facile. Une. Attends. Petit marqueur. Pipe marker. Il est où le deuxième? Reviens petit. Il y en a un dans mon dos, je crois. Avion espion ennemi en approche. Pas facile. Pas facile, pas facile. J'ai un peu de pression là. Mais je campe. Hélicoptère d'attaque. Let's go! Encore un kill. Let's go! Chef Vic, toi! Non, non, non. Ouf, j'ai failli rater un triple. Hop, on va ramasser les médailles. Tac. On est bien. Donc, encore une fois, comme je voulais le dire par rapport à la vidéo clip. Quand tu fais une vidéo de ce genre, t'es obligé de faire des choix. Donc, forcément, j'ai été obligé d'en louper un. Par exemple, le 1v2 de Gotaga contre Envy. Ou des clips de MW3. Ou des trucs comme ça. Et réellement, si j'avais envie de faire une introspection complète, comme j'ai dit, la vidéo aurait duré 2 heures. Et c'était pas mon envie. Il y a un mec qui m'a fait vraiment un commentaire. J'étais mort de rire. Vraiment, je me suis dit, ce mec-là. Il m'aime pas, quoi, tu vois, genre, il est pas content. Genre, le gars, il était à deux doigts d'aller se plaindre à un service client. Il a mis « Oh, tu fais trop pitié de dire que la vidéo devrait durer 2 heures. Si tu veux mettre tous les trucs, t'as qu'à faire plusieurs épisodes. » J'étais là, bah ouais, mais après, tu oublies peut-être un truc. Est-ce que c'est mon envie de faire plusieurs épisodes autour de ça? Franchement, non. Mais le gars, mon envie... Aïe. Aïe, hitmarker. Hitmarker en oscope, mais gros, regardez. Est-ce que je suis mal payé, la vie de ma mère? Est-ce que c'est mon envie de faire plusieurs vidéos sur ça? Franchement, je pense pas, c'était pas le cas, et je pense que celle-ci était de toute manière assez complète. Bon, et ben voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, là, la vidéo sniper. Franchement, 24-12, 9 confirmations, tout ça, machin, j'ai rien à me reprocher. Alors, certes, on perd, c'est un gameplay perdant, mais voilà, je fais quand même un très bon score, et je pense qu'on a pu voir un nouveau sniper sous... toutes ses formes. Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce qu'il vous plaît pas? Bah, vous me le direz en commentaire. En tout cas, moi, je le trouve vraiment cool. J'ai hâte de le retester un jour avec les bons accessoires, même si je le montrerai jamais assez pour avoir les bons accessoires, tu connais. J'espère que cette vidéo également vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit like, tout ça, c'est cool. À vous abonner si c'est pas déjà fait à la chaîne. Et je vous dis à tout à l'heure, les amis, pour la vidéo sur le mode caillou et bâton. Bisous.